نطفل جميع الهدوء والجلوس. نقسم البلد. نقسم ونزيد نزيد فيليب يسمع. توي تزيدوا في البلد برشا. عرفتي شكون اللي غيجي دابا؟ واحد الانسان عندي معاه تاريخ غنتاق منه دابا قدامكم. اول ما راني يلاه بديت فوغيفير كنت كنشوفو في البيرو شاك ساندي كنمشي كنلقاه توجور اون غينيو افيك دي بروسبي il fait des formations. كنمشي لعندو كنقول مرة كنبغي نتكلم معاه كنقول لا حيت ما كنعرفوش شحال مرة كنشوفو كنبغي نمشي نسولو كنقول ما كنعرفوش ما كيعرفنيش ما عرفت وانا يلاه بادية في لافير. واحد النهار وانا نتشجع لحظة اللي مشيت لعندو قلت لي اسمح لي نسألك قال لي وي قلت لي انت ماما جا قال لي نو جيدي حيت كنشوف كدير لي فورماسيون ماشي ماناجر انت حيت كتعرف كل واحد فينا سنا لاغريمو عينيه في ماناجر كتكتب في عيوننا او لا ملي قال لي ماشي ماناجر اللي كنستغرب كيفاش انه كيدير دي فورماسيون ماشي ماناجر قلت لي انت شنو نيفو قال لي انيماتور ادجوان انيماتور ادجوان في دي فورماسيون يعني جاتني غريبه انا عاد باديه في لافير وكنشوفو الحمد لله انه كيدير شاك ساندي دي ريونيون شاك ساندي في هاد المساله هادي كنقول كل مره كنسولو وليتي ماناجر كيقول لي لا مازال كنخليه تاني كيدوز بعض الوقت شي ايام كنرجع عندو كنتي عاود ماناجر لا مازال افون. بالنسبه لي انا اي واحد كيدير لي فورماسيون راه تسجل راه دار الساعه لقيت موراه الصبر صدقوني انا هاد الشخص هذا كنعطي به واحد الميساج ديال الصبر وكنعرفوا الشباب اليوم كيصبر متعور عارفكم ولكن باش الانسان واحد شحال من اسلمان كنشوفو كيدير لي فورماسيون باقي ما ولاش ماناجر بالنسبه لي عاد بالي باقي ما فهمش مزيان لي زيتاب وهذا ولكن عطاني واحد ميساج مهم كيفاش نصبروا حتى نوصلوا كيفاش نمشيو خطوه وننجحوا. وفعلا واحد النهار شنو قلت ليه عرفتي كنشوفك ان شاء الله غادي تجي اليوم اللي غادي تكون رقم واحد في المغرب وضحك وضحك بلاتي انتم على سبا هاد الشباب شوف je peux traduire j'arrive pas parce que j'ai rien compris en bleu. Ah non. C'est clair, vous avez compris. Voilà. Le thème, c'est quoi? La blati. Smhouli, il y a un safet mon sabr dialo. Oui, on va appeler. On a quelqu'un. Il va nous parler de comment, et tout le monde rêve de ça, comment oser être indépendant. Ça vous intéresse ça? Oui. On appelle Oussama. Merci. السلام عليكم مرحبا بنا عندكم في تونس الله يبارك فيك. Alors bien sûr cher Forger certainement on a
On a l'opportunité, on a l'occasion de gagner beaucoup d'argent, de se mériter des voyages dans des endroits exotiques, de conduire de magnifiques voitures. On a réellement la chance d'être libre, mais la liberté, elle a un prix. N'est-ce pas? Et vous devez être prêt à payer ce prix. D'accord? Pour vous dire, franchement, mes cinq premières années, elles étaient très difficiles. J'ai dû faire beaucoup de sacrifices, non seulement pour réussir, mais surtout pour rester accroché et rester connecté au business, surtout les deux, trois premières années. Et c'est pas seulement le rejet de mon entourage, des amis qui m'a fait beaucoup mal, mais c'est surtout celui de la famille et spécialement des parents. Je me rappelle, par exemple, la première fois où j'allais organiser une BAD chez un ami, donc j'avais invité 24-25 personnes, et j'ai attendu tout feu, tout flamme, très, très enthousiaste. Et bien sûr, vous savez qu'est-ce qui s'est produit? Personne n'est venu. Mais ce n'était pas ça qui me faisait très, très mal, c'était le rejet de mes parents. Alors, mes parents me disaient, on ne t'a pas envoyé dans des universités américaines ou décroché un diplôme d'expertise comptable français pour être un pas. Et chez nous, comme chez vous, ne pas obéir aux parents, c'est un peu à la limite du péché, n'est-ce pas? Et donc, voilà, ça a été très difficile. Après peut-être 2 ans de combat, ou peut-être même 3 ans, lorsque j'ai ramené mon père avec moi à un rallye européen à Londres, où j'ai eu mon premier chèque de profit share, je croyais que les choses vont être un peu plus ça va passer un peu plus douce, mais au contraire, c'est devenu encore plus difficile parce qu'il y avait la responsabilité de l'équipe, il y avait encore des ruptures de produits, et dans cette phase de rodage, donc après quelques années, même en ayant le niveau manager et toujours le rejet de la famille, j'aurais dû abandonner. Je l'aurais fait, j'allais presque le faire. Et parce que je dirais que tout le monde était contre moi. Mais finalement, j'avais compris une chose qui a été très importante pour moi. C'est que, en dehors que j'étais ambitieux, mais j'ai compris que 90% de la population sont des employés. C'est tout ce qu'ils savent faire et c'est pourquoi ils ont été formés. Donc naturellement, lorsque vous allez sortir de cette masse des 90%, ils vont naturellement vous rejeter. Donc je ne voulais pas vivre leur vie, mais plutôt je voulais vivre ma vie, je voulais vivre mes rêves et être indépendant. Et donc, comment j'ai fait? J'ai compris aussi qu'il faut travailler son développement personnel. Parce que la réussite, ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train de faire, mais c'est encore et surtout ce que vous êtes en train de devenir. Donc j'ai dû travailler mon développement personnel pour devenir la personne avec qui les gens aiment travailler. Et au fur et à mesure, j'ai acquis des compétences pour rester positif. Alors je vous entends peut-être dire, mais comment fais-tu pour être toujours positif? Comment fais-tu pour travailler ton développement personnel? Je vais vous donner un plan très simple. Votre développement personnel peut se résumer, par exemple, une lecture de 10 pages d'un bon livre par jour. Ça pourrait être 5 pages la matinée, 5 pages l'après-midi. Et à ça, comme j'ai fait, je pouvais ajouter 30 minutes d'écoute d'un CD éducatif. Peut-être lorsque vous conduisez ou vous faites le ménage. Et bref, lorsque peut-être vos mains sont occupées, mais l'esprit est libre. Donc ça m'a beaucoup encouragé. Et comme vous voyez, bon, avec toutes les difficultés, j'ai osé le faire. Et il n'y a pas de secret. Il faut être persévérant, déterminé, engagé. Et surtout, je dirais discipliné. Et vous allez voir, peut-être la discipline au début est beaucoup plus tolérable que la déception et l'échec à la fin. Si on n'est pas discipliné, c'est discipliné chaque jour, c'est à partir de maintenant. Si on n'est pas discipliné, on va subir des choses auxquelles on n'était pas préparé, et donc on va subir les regrets et les échecs. Donc, pour terminer, je vais parler d'abord d'une phrase avec laquelle je concluais mes réunions avec mes prospects. Les deux, trois premières années, je leur disais en fin de présentation, êtes-vous prêt à vivre dans l'inconfort à court terme pour vivre dans le confort à long terme? C'est une décision très sérieuse, et bien sûr avec la discipline. Mais plus tard, j'ai appris de mes managers leaders, parce qu'on apprend de tous, ils n'ont pas, soi-disant, aimé la question, ils se sont inspirés, ils l'ont reformulé, ils disent, aimeriez-vous vous amuser à court terme et vivre dans le confort à long terme? Parce que, sérieusement, parce que les gens aiment appartenir à un groupe qui s'amuse,
Et vous voyez, on va là, on s'amuse et on est en train de travailler notre avenir. Et lorsqu'on m'a dit que je vais parler de ce thème à Tunis, ça m'a fait chaud au cœur parce que le jour où j'ai décidé de faire Forever à plein temps, c'était le 30 octobre 2010 dans un café l'avenue Habib Bourguiba à Tunis. Et je me rappelle, j'étais en train de préparer mon témoignage manager essor. Je préparais le témoignage manager essor et après tout ce que j'ai dit, ça m'a pas suffisé. Alors j'ai dit, bon, c'est là où je vais dire, ça y est, je coupe le cordon, c'est fini la carrière d'expertise comptable. Je veux être libre, je veux être indépendant. J'avais partagé ce petit secret à l'époque avec ma femme. Bon, on était fiancés à l'époque. Elle m'a dit, voilà ce que j'ai décidé. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai décidé, est-ce que tu me soutiens? Elle m'a dit, ok. Et je l'ai écrit dans mon témoignage. Et donc, voilà. Peut-être le monde extérieur à cette salle doute de leurs convictions et croit leurs doutes. Vous qui avez la chance d'être aujourd'hui ici, vous devez être différent. De grâce, n'osez même pas abandonner, n'osez même pas laisser voir votre conjoint ou conjointe ou votre ami ou la famille vous voir abandonner. Et comme je disais toujours à mon équipe, il n'y a qu'une seule façon d'échouer dans ce business, c'est d'abandonner. Et donc, voilà, vivez vos rêves, osez être libre. Travaillez votre développement personnel, soyez discipliné, osez être libre, c'est ce dont je rêve pour vous. Merci beaucoup. Merci Oussama. Bravo. Bravo. Wow. C'est touchant, hein. C'est touchant. C'est...